Et salut! Alors comment ça va? Moi je suis en pleine forme, hein, vous l'entendez sans doute au son de ma voix. J'ai mon petit matériel prêt à dégainer au cas où. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui ce ne sera pas ambiance, peace and love, mais plutôt flingue, jolie fille et café chaud. Et oui, d'ailleurs c'est un sujet qui m'inspire puisque sans attendre, même mon crayon bleu a décidé de sa propre initiative de s'échauffer, de faire fumer le papier. Bonjour madame. Alors oui, je disais, ça m'inspire car j'ai ma méthode bien rodée pour dessiner pistolet, fusil, mitraillette, etc. très facilement. Et dans mes BD, dont celle-ci, ça m'a plutôt servi. Alors, pour autant, même si ça m'éclate à dessiner, bizarrement, eh bien, je ne me passionne pas pour les armes. Limite, je déteste, en vrai. Mais je l'ai dit, pour les dessiner de manière cool et puissante, j'ai cette méthode. Je vous montre. Je fais ce genre de volume simple, alors pas de patates cette fois-ci, les amis, plutôt des volumes rectangles portés par des lignes, donc avec possiblement du relief, de l'épaisseur, et même, si besoin, avec de la perspective, histoire de booster un peu le truc. Dans cette vidéo, je vais vous détailler tout ça et vous aider à faire comme moi plutôt facilement, en tout cas avec de bonnes bases, par exemple un dessin comme celui-ci. Alors bon, tous les dessins de ce tuto sont inspirés de modèles pris sur internet et retravaillés à ma façon en improvisation totale. C'est un peu brut de décoffrage du coup, mais avouez que l'énergie y est, que la fille tient plutôt bien son arme. Je rajoute quelques effets, des lignes, ouais, mais bon, c'est vrai, je m'égare. On revient tout de suite au sujet de cette vidéo, comment dessiner des armes à feu. C'est parti! Alors, comme je l'ai dit, les armes, toutes les armes, même les plus sophistiquées, les plus folles, sont construites avec une base hyper simple. Limite trop simple, limite trop facile. Alors, c'est quoi une arme à feu? Eh bien, c'est un canon, un tube ou un volume long qui guide la balle ou le missile et qui pointe en direction de la cible. Il y a aussi un endroit un peu vers l'arrière où le doigt va appuyer pour déclencher le tir. Et en décalé, en penché, une poignée pour que la paume de la main et les doigts puissent tenir fermement l'arme. C'est tout, c'est la base indispensable et même fondamentale d'une arme à feu. Alors, selon les armes, le canon sera plus ou moins gros, chaque arme a son style, ses proportions, mais pour résumer, le canon est long et fin, et la poignée plus courte et plus épaisse. Et on a aussi ce petit écart, ce petit penché ici qui aide la main à tenir naturellement l'arme. Ça, c'est la base. Deuxième étape, il y a la décoration. On va habiller cette base indispensable avec des détails pris, c'est obligé, dans de la documentation, par exemple prise sur internet. Et il y a des tas de modèles, par exemple sur les sites de jeux vidéo, mais pas que. Vous pouvez aussi aller dans un magasin de jouets et trouver de fausses armes en plastique qui seront très bien pour servir de modèle, pour voir à la fois quelques détails et aussi la manière dont on peut les tenir en main. Et parfois c'est pour moins de 5€, donc il faut pas hésiter. Bon, moi là je vais prendre une photo, un modèle simple pour débuter. Libre à vous, après avoir maîtrisé ça déjà, ce serait bien de choisir des dessins plus complexes. Sauf que, c'est pas forcément utile. On le voit, ce qui est simple en modèle peut être largement suffisant en dessin. J'ai même changé des trucs sans en faire des caisses non plus. Et ça le fait parce que dessous, eh bien, il y a quoi? Il y a mes bases, mes volumes rectangulaires simples. Voilà, alors parfois je fais à la règle, parfois à main levée, tout ça donne un style plus naturel. J'aime bien. Bon, et avec des doigts, on fait comment? On va reprendre notre base et se concentrer sur la poignée. Alors la théorie est toute bête, ça peut se montrer avec une règle. La poignée est posée, plaquée, écrasée sur la paume, ok? D'un côté, les doigts se plient pour bloquer, sauf l'index qui va actionner la gâchette forcément, et le pouce fait pareil à l'opposé. Alors pour rester dans cette logique, moi, eh bien, j'esquisse en gros l'espèce de rectangle mou de la paume. Et j'ajoute les bosses de 3 doigts, du plus gros au plus petit. Pas collé contre la poignée, bien sûr, hein, faut que ça dépasse de la largeur d'un doigt. Il faut les faire bien. Et pour le bout des doigts, eh bien, c'est en deux parties. Parfois, le bout des doigts remonte, parfois il descend, ça dépend du geste. Moi, je fais tout ça centré et bien sûr avec les bouts de doigts plus petits, ce qui fait diminuer ce paquet de doigts en hauteur au niveau des ongles. C'est pas des knackis bien réguliers. Pour l'index, on fait un effet de raccourci, on voit presque finalement une boule avec un ongle tout fin sur le côté. C'est petit, donc il faut le faire minutieusement,
ainsi, et oui, que la deuxième phalange, celle qu'on voit à peine et qui a encore moins d'espace, mais qu'il faut bien faire quand même. Et ensuite, moi, je place le pouce, hein, qui est le doigt le plus gros de tous. Pas sûr que dans la réalité, il soit à cette place précise, mais on s'en fout. Il doit juste montrer qu'il bloque le manche comme un boss. Lui aussi, il a droit à sa deuxième phalange, normale, avec un pli rond, normal aussi, et le reste de la paume, facile, avec un trait de muscle au milieu, voilà. Alors souvent, je ne finis précisément le bras qu'après, comme ça, je suis sûr que ça tombera pile poil au bon endroit. Et vous savez quoi ? Eh bien, si le gars ou la fille est gaucher-gauchère, on reprend tout pareil, sauf que là, je vais devoir placer des boules d'articulation pile sur la ligne verte, juste au crayon pour savoir où elles sont en quelque sorte, parce que par exemple à l'ancrage on fera ensuite juste un trait ou deux sur ces boules, c'est parce que la peau les recouvre, les cache en quelque sorte. On peut les faire aussi juste avec une ombre si on le souhaite. Voilà, et dans cette posture, eh bien sûr on perd le pouce qui se cache. En photo d'ailleurs on ne le voit pas forcément le pouce, mais en dessin on peut et même on doit montrer qu'il est là, même si c'est tout discret, comme ceci. Voilà. Et notez d'ailleurs que je fais une ombre plus pleine sur les doigts de dessous parce qu'ils sont très très repliés. Voilà. Allez les amis, on s'est assez échauffé comme ça. Oui oui, c'était qu'un échauffement parce que là maintenant, on va pouvoir sombrer dans la violence pure grâce au volume. Mais attention, je ne parle pas des petites ombres ou des reflets qui font pitié. Là, on va utiliser à mort le devant. Il est encore temps pour les âmes sensibles de quitter la vidéo. Ça va pas être joli à voir. Ou plutôt si, ça va être joli à voir parce que je choisis et je refais à ma façon une posture de jolie fille vénère avec, au bout de ses bras, bah pour l'instant, juste quelques lignes de brouillon jaillissantes en perspective, genre ça. Voilà, je pose ma base de canon et de poignet parce que j'ai bien écouté ce que j'ai dit en début de vidéo. Et puis voici d'autres lignes de perspective, cette fois-ci pour l'épaisseur, voilà. Au final, ça donne ça. Et notez que je n'ai pas dessiné précisément l'avant-bras, j'attends de faire la main sur la poignée, tout pareil que tout à l'heure. C'est cool parce que finalement, une fois qu'on a compris, eh bien on applique bêtement. Là, je reprends carrément les décorations du modèle en haut à droite, surtout pour le canon. Alors pour la poignée, vu que les doigts la recouvrent en partie, ben j'attends un petit peu forcément. Je dessine comme je peux ce qui est dessous le canon, puis je descends sur les doigts. La paume et le bout du pouce, eh bien c'est pareil, une fois de plus, hein, je dirais. Il reste peu d'éléments visibles de la poignée, mais bon, on les dessine quand même. Ça fait classe, ça fait pro. Et ce qui fait pro aussi, c'est de conclure avec les avant-bras qui vont se placer correctement contre les mains. Alors que si on avait fait avant cet avant-bras, il aurait pu tout à fait être soit trop haut, soit trop bas, et il aurait fallu le refaire forcément. Et bon, comme on a un deuxième bras et une main de soutien, eh bien, on rajoute les doigts, tout simplement. Là, je suis flemmard, hein, j'avoue, j'aurais dû dessiner la deuxième paume au crayon gris, mais je fais les doigts direct. J'ai un modèle, donc je m'embête pas. Une posture de gun en avant comme ça, c'est puissant parce que c'est exagéré, déformé un petit peu par la perspective, donc on peut être un petit peu imprécis sur les détails. Et tant qu'on y est, tant qu'on est chaud, passons au super volume. Alors le super volume, c'est le level up des guns en action dans un manga ou une BD. C'est le genre dans ta face quoi, grosse pression, où on fait en gros, grâce à un rectangle de départ, l'avant, le bout du canon de l'arme. Une croix au milieu du rectangle d'ailleurs va permettre de poser de la symétrie. Par exemple, pour poser les ronds correctement. Et moi, j'utilise mes bons vieux traces-cercles. Je ne sais pas si vous connaissez, car dans le genre, j'ai aussi des tas de traces-ellipses qui m'aident, par exemple, pour les bulles de texte dans mes BD. Je mets des liens Amazon de tout ça en description pour ceux qui voudraient regarder un peu plus en détail ces instruments très utiles. Je m'en sers aussi de règles. Avec un peu de soin, ça donne finalement un chouette truc précis et puissant à la fois. La suite maintenant, eh bien, c'est deux lignes dessus-dessous qui semblent se diriger vers un point. Ça donne un petit effet de diminution donc. Et je pars de mon dessin pour tracer d'autres lignes. Alors pour ceux qui le souhaitent, on peut tracer un point de fuite, mais sinon comme ça, à la main, ça passe largement. Et je me sers de mon rectangle de départ pour utiliser le dessus et le dessous et créer de nouvelles lignes parallèles.
Voilà. Au final, c'est pas plus compliqué. Ensuite, devinez quoi ? Eh bien, j'habille. Oui, j'habille avec les détails précédents. Je regarde aussi des photos plus détaillées parce que là, le gun est vraiment gros et il faut être encore plus réaliste, forcément. Parce que on le voit, une fois ancré, bah, c'est carrément la classe internationale. Alors que, je vous le redis, on est sur du pistolet type jouet ou à peine plus. Bon voilà, le canon est pas mal. Je descends quelques lignes parallèles au rectangle de départ afin de faire un manche penché correctement, vous voyez ? Et pour les doigts, eh bien la seule difficulté, à part, bon, peut-être, l'ennui de refaire pareil que précédemment, c'est de faire la gâchette et l'index un peu joli, avec des traits, des ombres, des épaisseurs, bon. Mais une fois que c'est bien fait, ben les autres doigts bien pliés, c'est finalement une formalité, je trouve. Le pouce idem, on se complique pas la vie, c'est pareil qu'avant. Là par contre, on a plus de visibilité sur le manche, la poignée, donc on finit ce dessin en super volume, tranquille et pourquoi pas, pourquoi pas, en se félicitant car oui, on vient quand même de dessiner le big boss des guns en BD et manga et ça, ça fait plaisir tout simplement. Et tant qu'à se faire plaisir, on va peut-être encore plus monter la difficulté parce que je sais que vous en êtes capable. On peut compliquer encore plus avec, par exemple, je vous fais un modèle ici, toujours pris sur internet, une tueuse genou à terre, mais corps bien en avant car elle tire avec du lourd, un fusil de sniper avec lunettes de visée, etc. En dessin, on retrouve, c'est évident, en me regardant faire, on retrouve le fameux habillage. Alors bon, je ne sais pas où l'artiste a trouvé tous ces détails. Hein. Le fusil existe-t-il tel quel ? A-t-il été entièrement inventé ? Le plus probable en tout cas, c'est, comme moi j'aurais fait, c'est de mixer une arme qui existe avec une autre et peut-être avec d'autres idées. D'ailleurs, je marque une petite pause et je vous montre comment j'ai fait pour ma toute première BD, pour des armes justement. C'était censé être dans un univers old school et moderne à la fois, un petit peu comique aussi. Et du coup, j'ai créé ces trois armes à partir d'armes existantes et en rajoutant, en inventant un truc nouveau à chaque fois. Là, c'est le FAMAS, plus ou moins, le vrai fusil de l'armée française, que j'ai raccourci et un peu décoré à ma sauce, ici et ici. Là, c'est une autre arme réelle qui m'a servi de base et j'ai rajouté ces toits penchés qui rappellent les vieilles usines. Et enfin, j'ai copié un vrai fusil de chasse avec son manche en bois, toujours avec des décorations à moi. Et du coup, bah dans ma BD, je n'ai eu qu'à les utiliser à tour de rôle. Ça m'a pris une heure à créer au départ, à tout casser, et ça m'a facilité la tâche ensuite tout au long de l'album. Mais là, bon, j'imagine que vous avez grillé le truc, c'est que, au final, la base de tout à l'heure est encore là. Et oui, alors évidemment, il faut ajouter, prolonger par une crosse avec au bout un appui pour caler contre l'épaule. Et à l'autre bout, on prolonge aussi le canon, tout simplement. Et on ajoute un chargeur pour avoir une plus grande quantité de balles à tirer, par exemple en rafale. Le reste, eh bien, c'est juste de la décoration, ça dépend des modèles que vous avez, des images prises sur internet, etc. Typiquement, pour un personnage avec un fusil, et même de type jeu vidéo, on doit d'abord dessiner le duo poitrine et appui de fusil. C'est le truc de départ, et une fois que c'est posé, on prolonge, dans le sens du tir évidemment, avec les différents éléments, dont notre canon et notre poignée de base. Et les doigts viennent exactement comme on l'a vu précédemment. On les fait bien, et ce n'est qu'ensuite qu'on peut dessiner le bras entre la poitrine et la main. On fait le bras en dernier. Et pour la main de devant, il faut bien la faire, j'ai le choix entre lui faire tenir le bout du canon, mais on le voit, je trouve que ça allonge un peu trop le bras, en plus de cacher l'autre main. Et là donc, pas d'hésitation, eh bien je pose cette main plutôt sur le chargeur. Le bras est plus plié, oui, et plus crédible, je trouve, en plus de laisser voir l'autre main, ce qui est cool. Voilà, donc ça me semble bien, et pour le crayonné ou l'ancrage, si comme moi vous le faites directement, eh bien on dessine en premier ce qui est devant, ici c'est le bras, puis les mains, et ensuite on prend son temps pour le canon, on se fait plaisir avec des détails réalistes ou pas. Moi je l'ai dit, hein, je suis pas un spécialiste du tout, je fais un petit peu n'importe quoi, mais au final, en tant que dessinateur, et je vous en laisse juge, je fais quand même le job, et c'est ça qui compte. D'ailleurs, si vous voulez refaire ce modèle, voici les volumes de base, c'est pour moi c'est cadeau. N'hésitez pas à m'envoyer vos dessins d'armes faits d'après ce tuto sur Insta ou Facebook en message privé. S'ils sont cool vos dessins, eh bien je les partagerai volontiers en story. Sur ce, bon écoutez les amis, je vous embrasse. Vous savez quoi ? Dessinez bien
éclatez-vous, abonnez-vous et laissez-moi des tonnes de messages sympathiques. Et moi, eh bien, je vais en profiter pour travailler sur ma prochaine vidéo. À très vite. Ciao.